Bonjour à tous, une nouvelle journée commence en Bretagne et aujourd'hui on va à Poulefétan dans un village traditionnel breton à Kistinic. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Thank you.
Bah, ce matin, on a fait une petite visite comme ça, des petites chaumières que je vous ai un peu filmées. Donc, on a vu des écoles. En fait, dans chaque petite chaumière, ça représente quelque chose ou un métier. Donc, on a vu la broderie, les costumes, l'école. On est passé aussi par un boulanger qui est passé dans l'émission Le meilleur pâtissier qui a gagné, qui fait des pâtisseries d'antan. Donc je vous filmerai ça aussi tout à l'heure. Et dans l'après-midi, c'est plus des petites animations avec des démonstrations. Donc on va aller au niveau des lavoirs. Et après, je crois qu'il y a la confection du beurre aussi et un atelier broderie. Donc je vais vous montrer tout ça. Et ce matin, j'ai oublié de peut-être vous donner les tarifs. Je fais attention que je mets les pieds par contre. Donc au niveau des adultes, c'est 10,80€ par adulte, 5€ pour les enfants. Les chiens sont autorisés et gratuits. C'est gratuit. Faut juste les tenir en laisse. Et de toute façon, pour les autres infos, je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Ou vous pouvez me les poser vos questions en commentaire. Bon, j'essaye de faire au mieux pour vous filmer parce que généralement c'est un peu sombre dans les petites maisons en toit de chaume. Surtout quand c'est dans les greniers. Et là on est en train de marcher sur un chemin de terre un peu dégueulasse, donc c'est un peu la galère. Mais tout va bien. Coucou. Coucou. On se retrouve tout à l'heure. Quand on se balade dans la petite forêt qui est après le village, on arrive sur un point de vue qui est magnifique. Je vais essayer de vous filmer un peu, mais je pense que ça va pas rendre pareil, ça va pas rendre justice à la beauté du paysage. Mais c'est super sympa. On arrive d'un tout petit chemin de terre. Et on a une belle vue sur les champs, un petit fleuve, la forêt. La petite balade en forêt, elle est vraiment sympa parce que c'est plus mythique. Enfin, ça se rapproche plus de la mythologie. Avec les petites croyances, des petits lutins, des elfes, de toutes les petites croyances celtiques. Donc ça change un peu complètement même du village. Et c'est super sympa. Ça donne vraiment un petit côté un peu magique.
change un petit peu des nouvelles divisions. On va nous m'assurer, ils disent que ah c'est une langue de vipère. C'est une langue de vipère. Eh, ils disaient pas la même chose. C'est une année l'année dernière, mon Dieu. Oh, ben ça, celle-là, elle a déjà reçu un jour, il va la voir. Elle arrivait au village l'an de l'année dernière, et le corsage était ouvert, puis là. Oui. Voyez les mollets. Oui. Elle faisait du gringue à tous nos naturins, dis donc. Oui. Un jour, on l'a reçu, on l'a attendu pied ferme, un coup de bâton et un coup de monopole. Dans la voie. Je lui ai dit, va donc refroidir là où t'es trop chaude. Et quand elle est tombée dans le lavoir, c'est si t'as l'eau qui s'est mise à bouillir. Hein, on ne peut qu'à rajouter la cendre, on faisait l'enfer. On faisait la bouillotte brasse. Alors l'animation des lavoirs c'est sympa mais c'est un peu long en fait. Je pensais qu'ils allaient expliquer un peu plus les méthodes de lavage pour la lessive etc, l'essorage. Sauf qu'en fait c'est surtout on va dire un espèce de sketch, c'est assez humoristique. Par contre ils incorporent des éléments vraiment historiques dans le sketch et ça dure 30 minutes. Mais bon ça fait un peu plus humoristique que vraiment apprendre quelque chose par rapport... au lavoir, donc c'est un peu dommage, mais sinon c'est assez sympa et ça manque peut-être un petit peu plus d'explications. Au niveau du beurre, il y avait trop de monde, on pouvait rien voir, donc on va essayer d'y retourner tout à l'heure. Il y a plusieurs tranches horaires et en attendant on se balade. Une photo Pablo Escobar en mangeant de cannabis. On a trouvé du cannabis à poule fêtant. En plus sérieusement, c'est du chambre, mais ces garçons sont vachement. Poser dessus. Ensuite, quand vous avez fini, allez emmener là-haut au grenier à grains. Allez-y, vous pouvez goûter avec un petit peu de beurre ou sans beurre. À vous de voir, c'est le choix.
Voilà, la journée est finie. J'ai essayé de filmer le plus possible. Après, il y a des animations qu'on n'a pas vues parce qu'il y a trop de monde. Vous les avez de loin, donc j'ai pas trop filmé parce qu'on voyait pas grand chose pour vous. Après, ça reste sympa et il y a plein de choses, de quoi passer comme une bonne journée. On était là depuis le matin. Il y a plein de petites choses à voir. Il y a moyen de le faire en visite guidée ou non guidée. L'après-midi, c'est beaucoup d'animations avec plein de démonstrations. Là, on est un peu tous claqués. Donc on va rentrer, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller faire un petit tour. Et on se retrouve dans un prochain vlog au Festival de l'Orient.